Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâcher la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi, suis son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour l'épisode 32 de Pokémon Diamant Étincelant. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Alors, Pokémon Diamant Étincelant. Alors, on était quand il faut trouver le champion d'arène, c'est dans le phare, je crois. Et après, pour le faire revenir dans l'arène. Et après, go l'arène de Rivamar. On s'approche de la ligue, les gars. On s'approche de la ligue. D'ailleurs, je préfère prévenir d'avance dans cette vidéo, au moment que je serai à la ligue, pardon, je pense que vu que ça va mettre du temps, peut-être que ça fera peut-être une heure de vidéo, peut-être, je sais pas, je verrai bien. Mais ça fait une heure de vidéo, je mettrai quand même sur la chaîne, et le jour que ça sortira, la vidéo de la ligue, et je pense que j'en ferai une première diffusion. Alors ça sera pas un live, mais ce sera une première diffusion. Donc voilà, et après, comme la première diffusion sera finie, et ça redeviendra une vidéo normale, une vidéo de 1 heure, et voilà quoi. Mais voilà, comme ça, moi, pendant la vidéo de la ligue, vous pourrez commenter dans le chat, et moi je serai là pour vous répondre. Voilà, voilà. Alors, le champion de l'arène, il est là. Voici donc le dresseur qui veut conquérir la reine de Rivamar. Très bien, c'est décidé. Si tu n'es pas à la hauteur, j'irai défier la Ligue Pokémon. La rénovation de l'arène est terminée. Et je veux surtout retrouver le plaisir de combattre. Je suis le champion le plus fort de Sinnoh. Alors prépare-toi à en prendre plein la vue. Ok. Y'a quoi de beau dans les jumelles ? La Ligue Pokémon. On a la vue sur la Ligue Pokémon, les gars. On a la vue sur la Ligue Pokémon. Comment elle est trop belle. Ah ouais. Ah ouais, parce que la Ligue Pokémon est juste en face de Rivamar. Donc voilà quoi. Alors, c'est parti, go l'arène. Et l'artiste, ça y est, le champion est rentré. Et il a l'air... Hein, et il a plutôt l'air de bonne humeur. Je crois qu'il a tout de suite vu ce que tu valais. Il doit avoir hâte de t'affronter. Tu sais ce qu'il te reste à faire, l'artiste. Mets le feu à l'arène avec ton talent de dresseur et ravive la passion du champion pour le combat. Allez, je te laisse à ta mission. On se voit à la Ligue Pokémon. Donc, il y a un système pour... Pour y aller, ouais, il faut tourner comme ça là. Hop, tac. Hop. Voilà, tac. On combat le premier dresseur. Penses-tu réussir à arriver jusqu'au champion d'arène? Bah oui. Pourquoi? Tu vas me l'empêcher peut-être? Plus t'as un Pokémon, ça va aller vite. Ça va vite régler, je te le dis moi. Ah, c'est sympa les rouages au fond là. Le feu. Tunnel, oula.
Très efficace contre moi ça. Type sol et feu. Roue de feu. Dans le choix, pardon. Et on l'a eu. Mais brasse niveau 55. Les engrenages continuent de tourner et ma tête avec oh ça tourne. Ok, merci. Ok. On passe par là. On combat ici. Je suis venu dans la meilleure arène de Sinnoh pour apprendre les meilleures techniques. Un Pokémon, ça va aller. Monsieur Mime. Roue de feu. Hop là, Monsieur Mime, adios. Quelle force. Bah oui, pas dit, qu'est-ce que tu crois. Ok, on combat lui. Je veux gagner. Je concentre ce désir dans ma guitare. Je veux gagner. Ce défi fait le mon Pokémon une star. Le mon. Quand tu veux dire le monde, non, parce que le mon, ça veut rien dire. Ils ont tous un Pokémon de poisson. Ça va vite. Luxio. Bah moi j'ai Luxai. Roue de feu, ouais. Ah, de Luxio. Coup critique. On a perdu, pas de rappel pour nous. Et ouais. C'est quand même une belle équipe. Hein. Ah, je vois un truc. 55 c'est Miabras, Pagoléon 55, Tantar 54, bientôt le niveau 55, ça fait plaisir, et Trotter niveau 49, bientôt le niveau 50, Luxray niveau 50, et Charcos niveau 47, très bien. Ouais, vas-y, on va combattre, allez, ça sera fait. Regarde un peu mon costume, ça se voit que je suis vraiment à fond, non? Bah oui. Et c'est sûr que t'as un Pikachu. Ah, t'as 4 Pokémon quand même. Bah c'est sûr Pikachu. Pikachu femelle, bah oui. Ton costume c'est Pikachu femelle. Par contre Pikachu il est statique. N'importe quelle attaque, m'appelle close combat, danse. Ah peut-être danse femme non. Ouais, pour éviter de se faire de se faire paralyser. Voilà. Charme. Et on l'a eu Pikachu. On l'a eu Pikachu. Charcos niveau 48. Pikachu. Accueille Pikachu là. Danse flamme. Oh, vite à l'attaque.
Machination. On a eu Pikachu. Encore Pikachu. On adore les Pikachu, elle. Et son dernier Pokémon, c'est Pikachu, encore une fois. Un dernier Pikachu, là. Et voilà, que des Pikachu. Adios. Voilà. Dans ce moment, on a évité de se faire électrocuter. Parce qu'avec son capacité statique, on serait fait paralyser sinon. J'étais vraiment à fond, pourtant. Champion d'arène, normalement, il est en haut. Ah, mince. Que l'on souhaite devenir dresseur ou guitariste, cela demande autant de volonté et de travail. Raichu. Et il a Raichu, le mec. Je crois qu'il doit avoir statique aussi, bah, comme Pikachu. Alors, dans Slam. Ah, tunnel. Ah non. Ah, c'est quoi? Ah, tonnerre, pardon. Oula, pourquoi tu fais le monde? N'importe quoi. Dans Slam, ouais. Et on l'a eu. Critique. Tortora niveau 55, ça fait plaisir. Et Tortora niveau 50. On dirait que mon talent m'a laissé tomber. Je dois être désaccordé. Papa, c'est qui m'intéresse, ce n'est pas seulement la force de mes adversaires, mais les frissons que me procure un bon combat. Hop là, Kadabra KO. C'est mes Brasilio 56. Raichu. Ah, c'est Raichu femelle. Mis en lumière. Quand dans Slam. Je suis KO. Pangolo niveau 56. Quelle puissance. Et pour ce qui est des frissons, j'ai été servi. Ah bah oui.
Il est là, le champion. Il est là, le champion. Les étincelles, notre champion s'ennuie, alors il a entièrement renové l'arène. Et ça a fait des étincelles. Pam 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 pam. Bam 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 bam. Cage éclair. Oh là non, je suis paralysé, ça y est. Faut bien que ça arrive à moi un autre. Luxe au KO. Je vois que le champion, si mes souvenirs sont bons, il a un Luxe Ray. Charcos, no 49. Nice, peut-être au niveau 50. Castorno. Petit sol. Oh non. Quoi ce combat? Ah, c'est pas efficace. Oh non, cascade, oh non. Oh non, je suis mort. On va être en terra, c'est pas grave. Allez, trop en charge, c'est super efficace aussi ça. Adios, Castorno. Merci, Torterra. Les étincelles. Wow, tu as réussi à venir qui... Oula. Wow, tu as réussi à venir jusqu'ici, bravo. Par contre, désolé, mais tu n'iras pas plus loin. Tu n'as pas la moindre chance de me battre. Ah, on va voir, hein. Stélex. Pangolion. Ah, quad jet, super efficace. Grassement. S'ils font. Et je l'ai eu. Charmina. Ouais, ouais, Torterra. Adieu Chamina. Bah c'est toi qui as perdu mon pote, hein. C'est Tortara, hein. Qu'est-ce qui rend tes Pokémon si spéciaux? Ah bah ça.
Ah, ça a encore mal entré. Bah justement, voilà, je vais sortir de l'arène. Pour comment soigner mes Pokémon en tant que Pokémon. Voilà. Tout à l'heure, j'avais l'idée de ça en tête. D'aller restaurer mes Pokémon. Hop, voilà. Comme ça, on sait qu'on a battu tout le monde dans l'arène. Il reste plus qu'à aller battre le champion. Voilà quoi. Comme ça, chaque fois qu'on passe devant un dresseur, c'est fait. Voilà, voilà quoi. Hop, on va aller tout de suite au centre Pokémon. Voilà qui est là. On soigne nos Pokémon. Hop, on retourne en haut. Pour aller battre à nouveau le champion d'arène. Hop, voilà. C'est trop belle les musiques des arènes. On arrive déjà vers le champion d'arène. Je sais plus comment on fait là. Ah bah voilà. C'est bon, j'ai réussi. En fait, ça jouait avec en bas en fait. Alors. Te voilà enfin. D'autres dresseurs essaient de se mesurer à moi, de temps en temps. Mais ces combats sont toujours ennuyeux. Et les victoires trop faciles. Pff. Je suis Tanguy. On dit que je suis le plus grand champion des reines de Sinnoh, mais peu importe, finissons-en. Je compte sur toi pour me redonner goût au combat. Raichu. On va faire danse flamme.
Fast mousse. Ah, je suis paralysé. Bah, je peux faire les autres attaques maintenant. Vu que je suis paralysé, ouais, même c'est la statique, voilà quoi. Je suis déjà paralysé, donc on s'en fout. Hein. Roue de feu. Surf. Comment il peut avoir surf? Putain. Ah, c'est bon, on a eu chaud. Tant à l'heure, niveau 56. Capidextre. Comment on va essayer? Bluff. Coup double. Oh mais putain. Ah mais oh putain. Hop, c'est bon, on l'a eu Capidex. Capidex, pardon. Ouais, c'est super efficace contre Capidex, Cross Combat. Octillery. On va changer les Pokémon, ouais. Je pensais que mon semi-adverse serait KO, mais parce qu'il reste plus que ça de niveau. Je touche encore une fois, je suis mort. Trancherbe. Onde boréale. Oh, purée, puissant. Trancherbe. Oh non, guérison, putain. Et c'est bon, on l'a eu Octillery. Et toi, t'en manques niveau 51. Lui serait niveau 52. Prendre l'illustré, il va avoir son illustré. Chakos niveau 50. Nice. Ouais, le putain, je l'avais dit qu'il avait un illustré. Je relève de Pokémon, on va tenter si ma brasse, tant pis. Hein. Prépare-toi, victoire, me botte secrète. Ah, ma botte secrète, pardon. C'est son dernier Pokémon. Roue de feu. Hein. Gros éclair. Bah, c'est bon, je suis mort. Ah non, putain. Oh, c'est bien. Hein. Bien qu'il résiste comme ça, c'est mes brades. Bien. Oh, il reste plus qu'une petite barre rouge à l'X-ray. Il soigne un petit peu. Croix éclair. Je suis KO là. Ouais, je suis KO. Torterra. Je ne pense pas que tu poserais de mes dernières. Je sais pas. Pardon, c'est passé trop vite. Wow. C'est pas efficace, Sims. Allez. Mais non. Eh ben, j'ai fait chier. Fais chier.
bah c'est l'Ustrait contre l'Ustrait, c'est. Ah, c'est vrai que j'avais déjà mis des trucs électriques quoi, à mon Ustrait. Et morsure. Ma chouille. Ah, encore une fois, l'Ustrait, on est bon. Oh non, il part pour son. Pas pourquoi je m'entendais à celle-là, putain. Allez, l'Ustrait. Encore une fois, il apprend les bons. Nice. Et c'est mon Ustrait qui a gagné. Bien joué l'Ustrait. Pingoléon niveau 57. Tu m'as battu. Ta volonté de faire et la résolution implacable de tes Pokémon m'ont beaucoup impressionné. C'était un très bon combat, bravo. Hé hé, ah ah, hé ah. Je ne m'étais pas autant amusé depuis. Ah, je ne sais même plus. Je suis curieux et pressé de voir quel sommet tes Pokémon et toi allez atteindre. Voici ton 8ème badge, tu l'as bien mérité. Et voilà, on a tous les badges, mon gars. Ouais, si. Tanguy vous donne le badge phare. Ce badge phare te permet d'utiliser la capacité secrète cascade avec ta Pokémontre. Elle est indispensable si tu veux te lancer à l'assaut de la ligue. De plus, maintenant que tu as le 8ème badge, tous les Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil. Tiens, prends aussi ceci. Vous recevez les sceaux utilisés par Tanguy. Obtenez des CT57. Le CT57 permet d'enseigner la capacité rayon chargé. Quand celle-ci fait mouche, elle augmente l'attaque spéciale de ton Pokémon, pardon. Oh là là, c'est plutôt cool. Ok Tanguy, bah merci. On a le 8ème badge, les gars. Ça fait plaisir. Voilà, on a tous les badges. Waouh, génial. Attendez, hop. Mettre des sauts à mon Ustrait là. Quand Tanguy nous a donné. Couler des sauts. Donc on a mis ça. Donc on a ça aussi. Voilà. Voilà. Comme ça on a un peu de tout. Voilà. Oh mais non. Fais quoi là? Voilà. Voilà. C'est bon comme ça. Ok. Hop. Je m'entendais qu'il y aurait quelqu'un qui m'attendrait à la sortie de l'arène, mais bon. Finalement, il n'y a personne. Mmh.
Mais non, tu veux me les soigner? Non. Ah. Ok, c'est nickel, c'est good. Bon, bah voilà les potos. Voilà, voilà. Voilà pour cet épisode 32. On a battu Tanguy de l'arène de Rivamar. Voilà, ça fait plaisir. On a le 8ème badge. Et maintenant, il ne reste plus que direction la ligue. Donc ça sera dans le prochain épisode, dans l'épisode 33. Hein. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. Si c'est des nouveaux nouvelles qui arrivent sur la chaîne et que vous voyez que mon contenu vous plaît, bah abonnez-vous, ça fait plaisir. Et ça mange pas de pain, c'est gratuit. Hein. Et puis une fois que ce sera fait, pensez à bien activer la petite cloche des notifications surtout. Parce qu'il y a surtout personnalisé aucun. Au mieux cliquez sur tout, comme ça, s'il n'y a pas de bug de notif, bah si j'envoie un live ou une nouvelle vidéo, il y a une notif qui vous prévient que voilà, il se passe ci et ça sur la chaîne. Que ce soit ma chaîne principale, mes vidéos, mes lives, n'hésitez pas à partager un max sur vos réseaux sociaux, les gars. Je compte sur vous et que comme ça, que vous me ferez connaître et que vous me ramènerez du monde sur la chaîne et qu'on avancera en termes d'abonnés. En parlant de réseaux sociaux, que ce soit en description des vidéos, description des lives, le chat des lives avec la petite commande du bot et dans mon à propos de chaîne, vous y retrouverez mon Twitter, mon Insta, mon Facebook, mon Snap, mon TikTok, mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, à rejoindre mes réseaux, à vous abonner à mes réseaux. Et je suis actif de partout, je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et pareil, en description des lives, en description des vidéos, dans le chat des lives, la petite commande du bot et dans mon à propos de chaîne, vous y retrouverez sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir me follow en masse sur ma chaîne Twitch. Parce que je suis très actif sur ma chaîne Twitch, que ce soit ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, voilà, même mes réseaux, tout. Je suis actif de partout. Donc, et je réponds à tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas. Vous abonner à mes réseaux, ma chaîne YouTube et venir me follow à ma chaîne Twitch. Voilà, voilà. Sur ce, c'était Kéké, cet épisode 32 de Pokémon Diamant Étincelant. Et bien sûr, on se retrouvera pour l'épisode 33. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, en attendant, je vous dis tchuss, la team.